Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki qui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Banishers. Alors, pour moi ça fait plusieurs jours que j'ai pas joué. Donc voilà. Et donc on va se rappeler des choses. Ok, ça c'est la roulade, très bien. Ça c'est interagir, oui. Ça c'est devenir un fantôme, ça c'est se soigner. Ça c'est attaque lourde, ça c'est attaque légère, ça c'est fusil. Très bien. Et ça c'est parade, très bien. C'est bon, c'est revenu. Chargez, tuez les ennemis. Pardon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Carte, c'est quoi ça? Activité disponible. Bah oui, je veux aller faire des activités. C'est quoi comme activité? C'est la chasse aux papillons. Étrange. Des traces spectrales enveloppent encore la maison. Menons l'enquête. Loyauté spectrale. Une loyauté. Oula, oula, oula. C'est bon? Le jeu a fini? Très bien. J'ai vu le shame. Hein. Honte à toi! Il y a encore des messages sur le mur. De nouveaux messages. De Thomas Elk. Ou ce qui reste de lui. You took air. Tu l'as prise. Très bien. Ok, on va suivre les traces spectrales. Alors, ça nous permettra peut-être d'apprendre à utiliser le fusil, le rifle. Et d'un coup, c'est parti de l'autre sens, non? En avant. Ah, nous devons chercher par ici. Très bien. C'est marrant, la caméra tourne toute seule. Hein. C'est pas moi qui le fais. Ouais, c'est drôle. Ouais. Oui. Peut-être par là. Non, là, c'est là où on revient. Ah, bah, c'est par au-dessus. Peut-être, peut-être. Hein. Attends. Pas aller sur ce petit rebord rocheux, d'accord. Oui, c'est là-bas, c'est sûr. On voit un petit écho. Alors, comment on va là-bas? Passons par là. Je ne pense pas. Mais non, mais il fallait que je sois là avec lui pour monter, non? Elle peut pas monter. Si, ah, je sais plus. Ça revient. Reviens. Michel, bah voilà, c'est ça. Ok, aïe. Mais, monsieur, s'il vous plaît. Ne reste pas là, bouge! Oh! Bien petit, bien! Voilà les renforts! Barre-toi de là, Red! Pauvre Thomas. J'aurais dû me douter que son spectre resterait ici. En tout cas. Il est parti maintenant. Très bien. Révélé. Révélio. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bien sûr, est de loin le plus perfide. Plus un point de compétence. Très bien.
Prudence Ake. Nous jouons tous un rôle, mais le vôtre, bannisseur, est de loin le plus perfide. Ah, on a les... Ah, mais c'est les gens que j'ai enterrés. Et les tombes sont déjà prêtes. Oui. Il n'y a pas eu de voix pour celui-là, marrant. Sous la main d'un mauvais, j'ai vécu et je mourrai. C'est marrant qu'il n'y ait pas eu de voix pour celui-là. Ok, ok, ok. C'est bon. Donc on peut avoir des points de compétences gratuits comme ça. Intéressant. Enfin, gratuit. En plus. Ah. Il va falloir chasser la bête. Allez, on va aller tuer ce petit écureuil. Comment tu sais que c'est un écureuil? Non, mais genre, j'en suis sûr, ce sera un écureuil. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un écureuil? Un loup, un ours? Non. Aux États-Unis, il n'y a pas de loup et d'ours en fait. Ce n'est que. Plus elle me plaît. C'est sa bonté et sa gentillesse naturelle. On pourrait la qualifier d'impitoyable. Tu penses qu'elle fait fausse route? Elle a raison. La vie peut être cruelle. Elle l'a compris et elle a probablement raison. Voilà, parce qu'en fait, aux États-Unis, il ne peut y avoir que des écuries. C'est tic-tac, quoi. Ah, un pont. Bonjour monsieur. Je peux pas parler avec ? Si. Ça y est, vous êtes redescendu de votre arbre ? Oui, et c'est pas grâce à toi. Comment tu t'appelles ? Bilov Skeder, si ça vous intéresse tant. Je vois que vous vous êtes dégoté une arme. C'est Kate qui me l'a donnée. Vous savez que je vais vérifier ça. Quelles sont les nouvelles ? Comment ça va par ici ? Ça irait mieux avec un fouineur écossais en moins. Oula ! Attention, j'ai un fusil. Et je sais m'en servir. C'est bon, je peux quitter le camp ? Si Kate vous a donné son arme, alors j'imagine que vous pouvez passer. Mais je vous le déconseille. Les bois sont dangereux. Seul peau dure peut s'y aventurer sans trembler. La réputation de peau dure. Peau dure a une sacrée réputation. C'est mérité ? Si c'est mérité. Sans elle, on serait tous morts de faim. Même sa sœur le sait. Et pourtant, elle se déteste. Tu connais bien Kate ? Si je la connais bien, personne ne connaît bien Kate Newsmith. La faute à un vieux chagrin d'amour. On dit qu'on ne guérit jamais vraiment de son premier chagrin d'amour. Merci de m'avoir consacré du temps, Skeder. Bonne journée. A plus, ma Grace. Si vous survivez dans les bois. Mais oui, je survive dans les bois. Je te dis, c'est juste un écureuil. Allez, active ça, mec. Que je puisse aller me battre. Alors, on va où les munitions? Je ne sais pas. J'ai autant de balles que je veux? Ah, si j'ai autant de balles que je veux, oui. Avec des tonneaux? Oui, d'accord. C'est vraiment les paysans, ici. Derrière Kate, la dure à cuire. Se cache une jeune Kate au cœur brisé. Elle souffre. Les personnes qui souffrent font souffrir les autres. C'est toujours comme ça. Peut-être parviendra-t-elle à trouver la paix quand cette histoire sera réglée. Alors, moi après, si moi je veux bien la réconforter, hein. Ça me dérange pas, hein. Toujours prêt à aider mon prochain. Hein. Voilà de quoi t'entraîner avec ton nouveau jouet. Je te parie 10 guinées que tu ne vises pas aussi bien que tu le dis. Je vise très bien, je t'en remercie. Alors, RT pour tirer, maintenez LT appuyé pour recharger. C'était de la chance. C'est vrai que j'ai de la chance. Oui. Mais je suis aussi un excellent tireur. L'un n'empêche pas l'autre. C'était où qu'on en avait vu, des trucs comme ça? Je sais plus.
Alors, mais est-ce qu'il y a une visée automatique? On va pouvoir s'entraîner. Et si je cible quelqu'un que je sors le fusil, est-ce que ça casse le ciblage ou pas? Bonne question. Alors, où est-elle cette fameuse bête? Probablement au même endroit que les colons disparus. Revelio. Revelio le coffre. Naissu coffru. Mais j'achète rien avec mon argent. Il faut que j'achète des choses, je pense. Hein. Peut-être même vendre des trucs. Ouais, on doit chercher un peu partout. Ok. Il va certainement y avoir un feu par ici. Essayons de trouver le feu de camp. Il y aura clairement un truc ici à faire. Vu qu'il y a une marque de bannisseur. Qu'on ne peut pas étudier, c'est assez... Oui, bonjour. Ah, d'accord. Bon. Oh, d'accord. Monsieur est ainsi. Casse-toi. Moi aussi, je peux tirer maintenant. Oh, oh, oh. Ça fait du dégât. Hein. Headshot. Donc, on n'a pas de munitions. Ouais. Okay. Mais le fusil est long à utiliser donc. Mais le petit headshot là. Ça fait du dégât quand même. Hein. C'est pas mal à mon avis pour ouvrir un combat. Si on voit les ennemis à l'avance. Genre les loups, des trucs comme ça. Hein. Peut-être même qu'on aurait le temps de mettre deux balles sur un ennemi. Du cuir. Hein. I am a trapper. Eh bah, sacré glissement de terrain. Pas moyen d'entrer ou de sortir. Si, avec un peu de lance-flamme. C'est la police. Don't worry. Be happy. Une mine. Une mine abandonnée. Formidable. Et c'est le seul passage. Ouais. Une mine. Alors ce qui est bien, c'est que ça se met en rouge quand on vise une zone qu'on va toucher. J'aime bien ce système. C'est un combat. Est-ce que vous le savez? Regardez, il y a des cadavres. Combat! C'est terminé! Il y a un spectre qui va se trouver encore. Non, 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 non! Ah merde! Pas grave. Ok, bon, ça one-shot les petits blancs. C'est donc une arme raciste, évidemment. Vu que bah, ça fait une différence entre les blancs, les verts et les bleus. Encore une fois, hein. Ah bon, c'est comme ça. Hein. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Le fusil est pas mal. La visée est assez simple. Je rappelle que je suis à la manette. Voilà. Et on voit que c'est assez, assez réactif quand même. Sachant que j'ai pas touché les sensis, donc peut-être que si on touche les sensis, il y a moyen que ce soit plus réactif. Par contre, moi j'aimerais bien savoir c'est quoi ces pièces de sorcière, on ne sait pas. Hein. Quoi cela sert? Mais attends, mais là-haut, il y avait un passage?
que je n'ai point vu. C'est ça qu'on me dit. Oui, ici, il y a l'air d'avoir un passage. Genre là. On le voit sur la map, regardez. Pourquoi il y aurait un nuage là? J'ai l'impression qu'il y a un truc là. J'aime beaucoup la carte. Elle est très jolie, je trouve. Ça pue le fight. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Cette poutre ne tient vraiment qu'à un fil. Vinguiné que tu rates ton premier coup. Tu vas me devoir tellement d'argent. Tu vois, c'était facile. J'avais pas vu. C'est facile quand la cible se défend. Bouge-toi, Red. Appuyez sur RB pour repousser les... Ah d'accord, on peut faire ça. Est-ce qu'on en a oublié? Oui. Attention, une possession spectrale. Cours! Pourquoi je peux pas courir? Je peux pas courir! Je suis tout lent! Qu'est-ce qui se passe? Tire-toi, Red! Merde! Pourquoi je suis tout lent? Je suis encore tout lent. Non, c'est bon. Ah, c'est eux. D'accord. T'es à portée de tir, Red. Ah, ils ont des fusils, d'accord. Tiens, prends-toi ça, toi. Non. S'apprête à tirer. D'accord, maintenant ils ont des fusils, eux aussi. Bon, quand faut y aller. D'accord. Ah, le coup d'être tout lent, c'est violent quand même. Hein. C'est pas un petit ralentissement, hein. C'est the ralentissement, quoi. Alors, est-ce qu'on va avoir une source de lumière? Non, ça va, c'est clair. J'adore très bien. Les vieux souterrains comme ça. Pas moi. J'ai failli perdre un œil au château de Ouska. C'est toi qui voulais explorer la cave, je te rappelle. On se demande pour y faire quoi dans cette cave. Isaligo. Ok. Ok, donc on va descendre là-bas. Excusez-moi, c'est mes habitudes d'exploration dans les Dark Souls. Hein. Le savoir, c'est le pouvoir dans Dark Souls. Alors... J'applique ça à peu près dans tous les jeux. Et ça, on peut le cacher. Très bien. Voilà. Je sais pas ce que c'est, un coffre. D'accord. Et là, on peut remonter. Ok. Mais c'est l'entrée, ça. Oui. Ok, on peut remonter à l'entrée, donc c'était pour avoir ce coffre U. Ah, j'avais pas rechargé, merde. Ah. On s'enfonce dans la mine ou on va par là? Il y a de la lumière devant. Ça me va. Allons-y. Ok, ouais, donc on doit ça. Il y a un truc là. Donc on va pouvoir aller le récupérer un moment. D'accord. Ok. En avant. Ah, on ne peut pas chuter avec le fusil. Intéressant. Et est-ce que je peux dégainer le fusil en descendant?
Là, je suis obligé d'appuyer sur 1. Non, je ne peux pas dégainer le fusil en descendant en appuyant sur A. On va essayer avec une chute. Ah mais regarde, là, t'as une bonne position de tir, là. Pousse pas ça. Ah, c'est moi qui le déplace, là. D'accord. Oh, bordel. Tu penses que cet endroit est hanté ? Je crois que ça pourrait presque me faire plaisir. Est-ce que vous voyez la merde avec les chariots qu'on va devoir mettre dans certaines positions ? Comme le jeu du parking, là, avec les voitures. Ah, on dirait qu'il est coincé. Comme par hasard. On aura certainement un pouvoir plus tard. Quelques petits aspects Metroidvania tout de même. Ah, on pourrait descendre là, vous croyez ? Oh merde ! Allez! Bien là-dedans. Aïe! Aïe! Fais gaffe! Je suis con comme un manche à balai, moi. Ok. Non, c'est pas cette touche-là, c'est celle-là. Allez. Ok, let's go. On peut monter là? Oui. Et ça, ça a l'air d'être la suite. Ouais. Ah, et ben, j'ai dit que je devais tester un truc. Et je ne teste pas. Attention, chut. On ne peut pas sortir le fusil quand on tombe. Très bien. Pareil, c'est logique, mais je préfère m'en assurer. C'est la suite ça ou pas? Ça a l'air hein. Repartons de l'autre côté. C'est horrible. Non, c'était là. C'était là-haut. J'aime pas les mines. J'aime pas les nains. Pas ici. Nice shot. Des hommes s'emportent, se plaignent de douleur en tout début de journée. En ville, on les appelle les Saturniens. Et à mon avis, ce n'est pas un compliment. Ils ont peur. Des amis se battent entre eux. Les hommes se blessent parfois gravement. Ils font des erreurs. On perd tous les jours un homme par accident. Et si ce n'est pas un accident, je ne me renseigne pas plus. Et on l'enterre sur place. Ça ne peut pas continuer. Une calamité. J'écris ces mots à la lumière vacillante de notre dernière lampe. Je ne sais pas si c'était une erreur humaine ou une panne. Peut-être les deux, mais la mine est scellée. Nous ne pouvons plus sortir. Ils arrivent. Ça pue ça, non ? Ah, toi, tu y vas comme ça, Franco. Ah, ça, c'est la suite. Donc, de l'autre côté, c'était pas la suite, apparemment. Parce que là, c'est pour aller là-bas. Vers la suite. Alors, attends. Je peux pas lui tirer dessus. Intéressant. D'accord que ça a l'air d'être la suite ici. Hein. Ça pourrait être un bon endroit pour traverser.
Ouais. Ça a l'air d'être la suite par là. Hein. Ok. Ça nous ramène à l'endroit où on est sorti. Mais il y a des objets. C'est pas là qu'il y avait un objet au sol ? Ah d'accord. Ah, il est toujours là cet objet. Comment je fais pour aller là ? C'est ça, je peux pas le casser. Par en dessous là-bas? Ouais, sacré tour, hein. Oui, là. Et de trouver des choses. Parce que là, on était là-bas. Hein. Donc clairement, c'est la suite. Vous pouvez descendre là, d'ailleurs. Ça ne menait à rien. Marrant. Ah. Ah si, peut-être qu'on peut sauter de là-bas vers ici. Ça paraît un peu hard pour un humain, mais... C'était juste un coffre. Pas la suite comme je le pensais. On voit qu'on pourra sauter de dessus, hein. Il y a des marques. Peut-être quand on aura plus de pouvoir. Hein. Allez, on retourne là-haut. Donc c'était là la suite, d'accord. Je me suis fait eu. Allez. Alors là, on peut mettre une corde pour redescendre là, très bien. Pour plus tard. C'est ça qui me fait vraiment penser que il y aura du rollback. Enfin, on va devoir retourner dans les lieux parce que il y a beaucoup d'endroits où on peut pas tout visiter et on met beaucoup de cordes ou des machins comme ça. Alors, je peux descendre, mais je sais pas trop pourquoi je voudrais descendre, en fait. L'endroit est forcément proche. Ah, déjà. Oui, c'est proche, il y a un coffre. Quel talent. Ok. Alors, pourquoi il veut pas descendre? Merci. Oui, et maintenant qu'il n'y a plus le machin pour tout casser. Pourquoi je voudrais descendre là? Tan tan tan. Ah non, je croyais qu'il y allait... Oh, bonjour. Attends. Lâche ça. Attention. Une pause. Je suis là, tu sais. Oui, je sais que t'es là. Et lui, il y est plus. Ouvre les cieux.
Essaie de trouver un passage. Je m'en occupe. Comment elle me parle, Jacqueline, là? Ouvre les yeux! Tu vas te calmer, grand-mère. Moi, je te le dis. Je ne vais pas te laisser tomber. Je sais. Non, j'ai trompé de touche. Ah, heureusement que c'est toi qui me bouscule comme ça. Ce n'est pas fini. Ah. Ok. Ça, on peut toujours rien faire avec, hein. Nous n'avons pas encore la dynamite. Non, mais c'est spectral. La dynamite spectrale. Elle est. Une caisse! Cassez la caisse. C'est important. J'aime bien le fusil. C'est pas trop abusé. Le fait que t'aies pas de munitions, c'est pas mal. T'es pas frustré en fait à dire ah non, j'ai que 5 munitions, est-ce que je vais l'utiliser ou je le garde pour le boss? Non, non, ça c'est pas mal. J'aime beaucoup. Ces empreintes sont étranges. Quelque chose est passé par là. Quelque chose d'énorme. Un dragon? Sans net, il n'y a pas eu de dragon ici depuis un millénaire. On va avoir un feu là juste avant le boss quand même. Qu'est-ce que c'est sinistre? Les chasseurs sont devenus les proies. Les corps n'ont pas été dévorés. Ils n'ont pas été tués pour leur viande. C'est l'œuvre de Spectre. Leurs traces sont partout. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Mur destructible. Ouais, par là, il y a forcément quelque chose. Si ça continue, il n'y aura bientôt plus un seul loup en Nouvelle-Angleterre. On est d'accord que là... C'est le chemin... Ouais, c'est le chemin du boss, j'ai l'impression. Oui. C'est un gros arbre. Elle a creusé jusqu'ici pour s'attaquer aux loups. Elle les a tous massacrés. Il y a des trucs là. Si c'est l'œuvre de la bête, elle doit être énorme. Si c'est l'œuvre de la bête, ça veut dire qu'elle a une enveloppe charnelle. Prenons l'autre route, si on peut. C'est pas de la fuite, hein. C'est de l'étude stratégique. Nous étudions toutes les capacités offensives et défensives que nous avons. Voilà. C'est pour... voilà. Hein? Bon. La fuite, c'est pour les lâches. Et moi, je suis quelqu'un de vaillant quand il n'y a pas d'ennemis. Et regardez, on peut les piquer une tête. Ah, encore ce truc blanc, là. J'en ai vu pas mal de ces trucs-là. Elle, qu'est-ce qu'on a par ici? On ira là-bas après. Oh! On va venir où, ça? De spectre. Vous pouvez identifier quel type de spectre possède un corps grâce à l'icône affichée au-dessus de lui. En plus de ses propres compétences, le corps possédé hérite des capacités du spectre. Oui.
Ce cadavre va te tirer dessus. D'accord, oui. J'ai compris le truc qu'il voulait dire. Oui, la petite icône blanche, c'est pour me dire que c'est un mec de corps à corps, vert pour me dire que c'est un mec de tir. D'accord. Ah non, mais il y a déjà deux coffres qui ont disparu. C'est pas du jeu. Là on pourrait mettre une corde pour revenir ici, intéressant. Alors, on va aller à cette petite maison. J'ai cru entendre des voix. Alors. C'est verrouillé de l'intérieur. Il y a une entrée là-dedans, non? Oui. Il va y avoir un combat ici. Ah, peut-être pas tout de suite. Il va y avoir un combat. J'ai reconnu le cadavre. Oui, donc peut-être qu'on va aller vers la bête, elle va partir, il va pouvoir revenir ici. Et c'est là qu'il y a un zombie qui va ouvrir cette porte. Certainement que c'est ça. Red, viens voir ça. D'accord. Oui, on sait, on a déjà vu ça. Tu auras d'autres, grand-mère. C'est parce que j'ai pas beaucoup de soins, ça me... M'étonne qu'il n'y ait pas eu de possibilité de se soigner avant d'arriver ici. Même les jeunes n'ont pas survécu. Qu'est-ce qui a pu faire ça? La vengeance. La vengeance incarnée. Je vois un écho de souvenirs ici. Pauvre petit loup. Je ne sais pas quelle créature a massacré les loups, mais elle s'exprimait avec plusieurs voix à l'unisson. Plusieurs esprits dans un corps possédé. Ça pourrait être un fléau? Oui, c'en est un. Il est puissant et dans une colère noire. Peut-être se casser là, non? Oh merde. Oh merde. Bordel de merde! C'est dégueulasse! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Retour dans l'enfer! C'était beaucoup trop proche à mon goût. Quel hurlement! C'est comme si plusieurs âmes hurlaient de concert. D'accord. Un petit feu là. C'est que les fléaux étaient rares.
Tu en as déjà affronté un ? Une fois. Un navire de commerce venant de Bordeaux a coulé lors d'une tempête. Les esclaves qu'il transportait sont revenus sous la forme d'un fléau. Pour le bannir, j'ai préparé 50 livres de poudre bannissante et j'ai tiré avec un canon. Il avait déjà tué le capitaine, la moitié de l'équipage et le propriétaire du navire. Une triste histoire. Ouais, tu m'étonnes, oui. Là, hop, on montait là, donc pour mettre certainement ici, hop, voilà la corde ici. Ah bah voilà comment on y va à l'intérieur. Ouais. Ah d'accord, oui. Ok, nice. On y est. Étonnant. Tourmenteur alpha. Je peux t'aider. Pour rien. Ce spectre cherche un corps. Aïe. Mais monte! Je peux pas monter! Je pouvais pas monter! Pardonne-moi. Mais je voulais monter, moi! Pour... Oh, c'est nul! On peut pas monter pour esquiver le combat? Enfin, esquiver le combat, je me comprends. Oh non! Vraiment, ça c'est pas top, hein. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Mais bien sûr que oui. Empêche le spectre d'atteindre le cadavre. J'aimerais bien pouvoir... Ah merde ! Soigne-toi. Merci. Je suis là, tu sais. Voilà, ok. T'aider. Allez. Pourquoi il est mort instant? Ok, il est mort instant. Très bien. Ok. Un peu dégoûté là, pour la montée de... Pour pouvoir y remonter là. Ça marche pas. C'est un petit peu dégueulasse que si tu t'enfermes, mettons là, bah tu t'enfermes ici, tu peux pas sortir, tu peux pas monter là pendant le combat. Pour essayer d'esquiver les combats ou de trouver d'autres trucs. Pensée de la semaine jusqu'au 15 octobre 68, 1688, pardon. Minerai riche en galène, environ 7% de zinc, 114 livres. Cérusite à hauteur teneur en zinc 197 livres, je ne comprends rien. Minerai riche en galène, environ 8% de zinc 145 livres. Cérusite en teneur de zinc 236 livres. Minerai de galène, environ 8% de le zinc 123 livres. Cérusite 201 livres. Galène 8% 102 livres. Cérusite de merde 148 livres. Galène 9% de zinc 25 livres. Serre 104 livres. Avec toutes nos excuses aux fondeurs pour les faibles rendements et les coups de pied au cul aux haveurs pour toute leur paresse. Minerai riche en galène, environ 8% 48 livres. Céru 96 livres, mieux. Gal 9% 32 livres. Serre 71 livres, pire que parce que les hommes sont tombés malades. D'accord. Ça sent l'exploitation de la mine qui a foiré. Il me reste qu'un seul soin, ce serait bien de trouver un feu, tout de même. Allez.
sachant pas le combat de boss avec un seul, une seule potion. Voyez-vous. Ça alors, un cadavre avec des traces de morsures. On dirait que ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Nicolas machin. Aïe. Ok, ils sont plusieurs. Je peux pas cibler. Je sais pas pourquoi les ciblages marchent plus. Merci. J'ai demandé à changer de perso. Attention, j'en vois un autre. Non. Lui. Voilà. Je peux cibler. Pourquoi le ciblage il galère dans cette zone? Je ne sais pas. Deux fois j'ai dû appuyer sur le soin. Pourquoi j'ai l'impression qu'on est des cibles faciles? Ah mais il a des balles téléguidées. D'accord. Il a des balles téléguidées. Très bien. J'apprécie pas trop. Croyez-moi. Il est où? Ah, j'ai adoré. De la vie. Donc pour économiser de la vie, tu fais avec. Dégage. Là, j'ai trouvé quelque chose. Pouf. T'as trouvé quelque chose et quoi? Ah oui, là. Revelio. Le chemin le plus long et plus sûr, c'est par là que vous devez passer. Pourquoi ne pas venir avec nous? Les plus rapides partent devant. On attendra avec la nourriture et les abris et on continuera tous ensemble. Nicolas vous accompagnera. Il n'y a pas de meilleure gâchette dans nos rangs. T'es d'accord, Doulan? Je ferai de mon mieux, Samuel. Ça va sans dire. Mais si Podur assure que tout ira bien, je la crois. Lorsqu'on s'aventure hors du camp, on utilise ça. Siffle si t'as vraiment besoin d'aide. Ce serait pas peau dure, la bête. Ils sont généreuses avec ces sifflets. Ils n'ont pas été bien utiles à ce pauvre bougre. Si c'est Doulan qui était censé protéger le groupe disparu, je n'ose imaginer ce qui leur est arrivé. Alors, lire. Moi, Nicolas Doulan. Je suis perdu. J'aime pas cette sensation. Podur devrait être là. Mais c'est pas le cas. On a peut-être pris le mauvais chemin et on est maintenant sur celui du diable en direction des enfers. Mais je ne crois pas. Mon instinct me dit qu'on est près du lieu de rendez-vous, tout près. Est-ce que la bête ce serait pas Podur, justement? Plus un groupe est gros, plus il est lent. C'était logique de le diviser. Parle d'hommes et de femmes. On parle pas de bétail en l'occurrence, mais d'hommes et de femmes. Podur était pragmatique. Elle savait ce qu'elle faisait. Oui, sur ça on est d'accord. Mais alors elle le nourrit? Ah, peut-être qu'elle le nourrit. Allez. Continue à avancer. Ah! Oui. Un lieu de repos.
est passé par ici il y a peu de temps, visiblement. Eh, il a laissé du cuir. Merci à lui. Ils avaient bien besoin de courage. Ils sont peut-être encore dans les parages. Peut-être. Courage, le champ est tout près au nord-ouest, Kate. Nous, on va aller ici allumer le feu. Il suffira d'une étincelle, tout ça, tout ça. Je vais juste reposer. Alors, inventaire, évolution. Bah oui, j'ai gagné un point. J'ai gagné un point. Mais il a réduit de 1 la quantité maximale de charge de décoction. Et ça, j'ai pas envie aussi. Et non, ça, j'ai déjà. Ça, j'ai déjà. Ah oui, donc je suis obligé de le prendre, mais je peux pas aller là. Donc je vais pas le prendre tout de suite. J'ai l'impression que je peux rien faire évoluer. Je vais me reposer pour récupérer mes charges de décoction. Et une pomme. C'est pire que la bouillie pour l'armée. J'ai pas faim. Estime-toi heureux. Ça fait quoi? T'as faim? Ça me ronge. Comme un repas qui ne remplirait pas l'estomac. Je n'ai jamais compris comment tu pouvais manger le matin. J'ai jamais compris comment tu pouvais tenir la journée l'estomac vide. On dirait ma mère. Elle me forçait à rester à table et à finir mon assiette. Je préférais laisser faire les mouches plutôt que céder. J'arrive pas à t'imaginer aussi têtu. Si ma mère me voyait maintenant. Bien, très bien, mais nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.